Ok. Putain, je vois que de la pillage. Putain, je vois que de la pillage, maquillage, tout dans l'habillage. Le cerveau c'est un muscle, elles font moins de sport que Nabila. Ta sœur, je te garantis, c'est pas la princesse du village. Comme dit Salif, fais gaffe qu'elle pince Slim sous ses habillages. C'est pas un prince que tu vas dégoter à force de montrer tes uns avec tes décolletés. Pour un peu d'attention, ta pudeur, tu l'as mise de côté. Tu plais peut-être à ma bite, mais mon cœur, tu l'as dégoûté. Fais des photos sexy avec tes copines, t'en rigoles. Faut que les garçons s'excitent, mettent des gemmes et puis des gommes. T'en veux plus que les autres, donc tu montres un peu tes formes, mais tu vas finir démaquillé par un mouchoir de chloroforme. Sur les réseaux sociaux, faudrait que t'arrêtes de faire la folle. Car ton profil Facebook, c'est juste un appel au violet. T'es trop bonne, tu plais aux hommes, mais ma fille t'as rien compris. À t'habiller comme ça un jour, on va te demander ton prix. Tu veux une taille de guêpe, une grosse poitrine et des fesses toutes rondes. Je te jure, tu vas te perdre à force de vouloir plaire à tout le monde. Tu veux un homme qui te respecte, mais toi-même tu te respectes pas. Comprends bien, je suis un mec bien, mais je le serai pas avec toi. Déjà, faudrait que t'arrêtes tes photos bonnes pour la masturbation. Je voudrais aussi que t'arrêtes de te vendre comme un produit de consommation. Car tu n'es pas à vendre, mais pourtant toi tu t'entêtes. Ma fille tu n'as pas de prix, mais toi bien ça dans la tête. Et je comprends bien, tu veux y plaire, mais y'a des limites à tout. Et t'auras pas le monde à tes pieds en te servant de tes atouts. Non, tu fais que te rabaisser, ce monde commence à me faire peur. Tu vas dans le sens de ceux qui pensent que les femmes sont inférieures. J't'ai bien cerné, tu veux de l'attention, pas de la douceur. Ton étiquette de chaîne, j'crois bien que tu t'es mise toute seule. Elles savent pas ce qu'elles veulent, un mec sérieux, mais elles-mêmes sont pas sérieuses. Et c'est les mêmes qui me diront Vince, t'as raison, y'a que des crasseux. Aucune limite. Mais on a tous besoin de limites. Attention, je dis pas qu'il faut finir coincé, c'est pas ça du tout, non. Mais je crois qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, qu'on nous dise ça c'est débile. Sinon on finirait tous par se noyer dans la pisse, la merde et le sang, et on passerait nos journées à se fourrer d'énormes gouttes dans le cul sans se poser la moindre question. Non, attends. Ça demande réflexion. Ma jeunesse aime se droguer, s'enfiler tout plein d'écarteurs. Écarter les cuisses et se prendre en photo tous les quarts d'heure. Je m'écarte, car là j'ai des envies de meurtre. J'allume Facebook et je vois un homme jeter un chien du haut de son immeuble. En partageant cette vidéo, sache que ce fléau tu l'alimentes. Aujourd'hui la mode c'est de se filmer en train de brûler des animaux. La jeunesse parle mal, elle s'enfonce et se détruit. C'est devenu banal de rigoler de la souffrance d'autrui. Le monde va mal, sache l'affirme. Pour l'enfer on a des places, je suis comme les habitaphies. Y'a des choses qui me dépassent, c'est malsain. Je te jure il faut que tu vois ça. T'as plein d'amis sur le net, tu connais même pas ton voisin. L'amour on a dû le perdre et c'est bien triste. T'as rendu compte pour commettre l'adultère. Y'a même décide de rencontrer, tu sens pas que le ton monte. Une époque dans la tourmente. Pourtant tu veux prouver quoi en montrant tes muscles à tout le monde. Et tu vas dire que j'ai raison à parler de ces filles dans la vue. Mais crois pas que tu vaux mieux qu'elles quand tu la cibles dans la rue. Tu traites les femmes de pute, en vrai t'es pire mais tu te l'avoues pas. Respecte-les, la vie c'est pas un clip de Booba. Ça y est je suis parti, on peut plus m'arrêter. Ma trille sont prêts à faire pour un peu plus de popularité. Ce texte est sale comme un pédophile à la garderie. Mais pas plus con que ceux qui postent les photos de leur placard de weed. Habitué aux images choc, en vrai dans ce monde c'est dur de net. C'est toi même pu voir un viol circuler sur le net. Et même les petits ont des discussions vachement gore. T'as vu celle où le mec se fait poignarder sauvagement le corps. Sur le web on voit partout que des gens masqués passent à l'attaque. Encore un phénomène de mode qui se propage grâce à la toile. Et internet je te kiffe bien mais à force tu me dégoûtes. La violence est tellement drôle qu'ils mettent des costumes de clown. Eh ouais mon pote, fini l'époque des races m'enquêtent. C'est drôle de puer bitch, y'a des meufs qui me disent passe me quête. Je fais mon bise, des rages me pisse, la menace me guette. Ouais miss, moi je pisse dans ton ice bucket. Eh ouais mon pote, fini l'époque des races m'enquêtent. C'est drôle de puer bitch, y'a des meufs qui me disent passe me quête. Je fais mon bise, des rages me pisse, la menace me guette. Eh ouais miss, moi je pisse dans ton ice bucket. Sincèrement pour moi ça tient plus de la bonne diarrhée intellectuelle qu'autre chose. Je vois des trucs qui me mettent les boules et j'évacue en écrivant dessus. Et ces temps-ci, qu'est-ce qui vous horripile? Le fait que les gens ont l'air de devenir de plus en plus cons. On a à disposition des super technologies et la plupart des gens utilisent des ordinateurs pour se branler. Et on trouve des vidéos pédophiles en libre accès. On se donne plus la peine d'écrire. Les gens se contentent de tenir des blogs, on s'envoie des tonnes de SMS, plus de ponctuation, plus de grammaire, MDR, RDV, A+. Internet devait nous libérer, nous apporter la démocratie. Mais si vous voulez mon avis, ça ressemble surtout à de la pseudo-communication entre débiles profonds dans un langage primitif. Pour faire court, on est plus proche de Cro-Magnon que de Shakespeare avec ses conneries. Woo!
français, t'inquiète, tu finiras par aimer. Ah, crois pas que ces rappeurs et nous, bah c'est pareil. Assez parlé, je passe en Europe, c'est pas la peine de nous séparer. Rap et ça, je sais faire, arrête de rager, frère. Si faire du lourd, c'est un crime. C'est...